La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très 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 aberrante. J'espère, je compte sur vous déjà pour poser un like sur cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Je fais aujourd'hui une vidéo avec mon pote Ragnar qui a disparu, je sais pas où il est, je le cherche. Mais lui c'est toujours un psychopathe, tu sais jamais où il est et je pense que c'est une vidéo qui va être très 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 sympathique. Alors, je sais que c'est un fou, il prépare un sale coup encore, je sais pas ce qu'il est en train de me préparer. Oh merde! Eh bonjour! Eh frérot, t'es bizarre, ouais! Tu me laisses conduire ta bagnole, le J? Ah non, je peux pas te laisser conduire, frérot! Bah si! Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi conduire la voiture! Arrête! Arrête, enfoiré! Arrête! Eh hey, gros, t'es bizarre! Laisse-moi conduire la voiture! Tu fais peur! Eh, qu'est-ce qu'il fait? Eh, c'est ouf! Arrête, le breton! Le breton! Arrête! Donc, ça, c'est la scène. La scène! Non, mais frérot, t'es pas normal! J'ai tiré ma cape! En fait, tu sais que t'es pas normal du tout, frère! Oh, le toit, il fait des trucs bizarres! Attends. Mais frérot, tu te rends compte? Attends! Le breton, ça va pas à la tête? T'es hyper agressif aujourd'hui, gros! Je te jure, tu fais rough, frère! Ce mec est un psychopathe, gros! Regarde-moi ça! Eh bonjour! Eh gros, t'es un ouf! La tête de ma mère, t'es un fou! Le breton, tu vas me maudire! Quoi? Ah, tu veux conduire? Ouais! Allez, conduis! Je monte à côté? Vas-y! Ah, putain, il est malade ce mec! Non mais le breton, t'es quelqu'un d'effrayant, gros! Pourquoi? C'est quoi ce comportement? T'as bavé sur le pare-brise et tout, quoi! Ah oui! C'est incroyable! J'ai manque de cardio! Gros, t'es un malade mental, frérot! T'es surexcité, frère. Vas-y, il est en train d'appeler tous ses copains, ouais. Là, frérot. Qu'on parte vite. Là. Bon, alors, attends, je te mets en mode très sympathique. Vas-y, tu peux partir. Je suis devant, c'est bon. Ouais, c'est bon. Sur les côtés ou devant? Eh, bonjour! Attention. Calme-toi, frère. Là, faut aller à gauche. À gauche. Attention, le breton. Attention. T'inquiète pas, J. T'es super excité, gros. Tu m'inquiètes. Breton, c'est... Ça, c'est un cul-de-sac. C'est un ouf, frère. C'est un cul-de-sac qui... Arrête. Fais attention, le breton, arrête. Le breton. Ah non, mais t'es un malade, gros. Arrête. Bon, t'en vas faire à toi. Non, mais là, vas-y, va à toi. Belle machine, J. Attends, fais gaffe, frérot. T'as fait que j'arrête avec Vatmash de Viardard. Non, mais t'es un hystérique, frère. Bah, dès que je mets le masque, il y a un truc qui va pas. Ah ouais, non, mais frère, t'es vraiment dans ton personnage. Ouais, quoi. Ça révèle un truc, je crois. Gros, tu sais que t'as bavé sur tout le pare-brise, frère. Ouais, je sais, putain. Non, là, tout droit. Tout droit, mais putain, mais tu m'as emmené où, là? Gros, t'es un malade, frérot. Comme tu tiens le volant, déjà, c'est pas rassurant. T'as des chevaux. Ouais, c'est beau, ça, par contre. Donc là, j'ai même pas eu le temps de finir mon intro, qu'on est en train de faire une vidéo. Alors, à la base, je voulais faire une vidéo avec Ragnar. C'est un fou, ça. Ah, tu sais qu'on a un point commun avec ces bêtes-là, hein. Attention. Eh hey, frérot, t'es trop excité, s'il te plaît, fais attention. Alors, allez où, mec, un fils de pute. Attention. Viens, maman. Arrête. Eh hey, frère, tu fais peur. T'es sale, J. Eh, t'es un ouf, gros. Alors. Oh putain, t'es un malade mental, frère. Ah ouais, tu mets des grands pieds au plancher. Attention. Eh, hey, frère. Yo, maman! Oh putain, ça m'excite! Hey, calme-toi, le breton! Arrête, frérot! Depuis le GP Explorer, ton état, il s'est aggravé, frère! Ils m'ont pas appelé d'ailleurs, je sais pas, j'ai très mal pris. Faut que je remonte mes qualités de pilote. Qui t'a pas appelé? Bah, ils m'ont pas appelé pour faire la course! Mais tu peux pas, tu rentres pas dans une F4, bah, ouais, mais bon, ils ont qu'à m'en faire une, tu sais, je sais pas où j'en fais une. Non, mais le breton, déjà, la manière avec laquelle tu tiens le volant n'a rien de tri-catholique, frérot! J'adore conduire vite comme ça et tout. Non, mais là, il faut pas, frérot. On non, là, c'est cadré, là, il faut bien le dire aux gens, c'est cadré. Putain, c'est l'adrénaline, j'adore ça. Ah ouais? Ah ouais, j'adore. Non mais alors, est-ce que tu connaissais cette voiture avant, le breton? Parce qu'il faut qu'on parle un peu de la voiture quand même. Bah je la trouve exceptionnelle. M3 Touring, tu connaissais ou pas? Oui. M3 version break. Ouais, ça envoie grave. Est-ce que ça ferait une bonne Batmobile, tu penses? Je pense que c'est la Batmobile. C'est la Batmobile. Ouais. Il y a du coffre, tu peux mettre tes armes, tu peux mettre tes munitions. Je peux mettre mes armes. S'il y a un délinquant dans Gotham, je peux le mettre dans le coffre. Ouais. Et après, je le ramène dans ma cave. Et alors là, c'est une autre histoire. Ouais, il va perdre des plumes. Ouais, vous faites quoi dans la cave? Je vais te dépouiller. Moi, un grand coup de bâton que je vais te le prendre, moi, la racaille. Dans le nœud. Mais tu sais que là, on dirait que t'es cagoulé. Là, si on tombe sur une patrouille de police, on est mal barré. Hein.
On leur expliquera. Bah, tu sais, on est des collègues. Hein. Bah, ils vont comprendre que je suis là pour le bien de la ville. Ouais. Allez, dégage, toi. Dégage, bâtard. Bâtard de mort, bah, fils de pute, bah. Ça me sent. Arrête. Tu vas te barrer, tu vas te blesser la route. Arrête. C'est noir. Arrête. Eh, le breton, arrête. Eh, frérot. T'es un hystérique. Vas-y, va à droite, frérot. Ça va, Georges? Ouais, ça va. Et toi? Bah, impeccable. Alors, quoi de neuf? Écoute, que du vieux. Belle machine, hein? Ouais. J'aime beaucoup la manière dont ça me. Saloperie, là! Dites salope! Dégage! Tu mets des coups de gaz, tu mets trop des grands coups de gaz, frérot! T'es frérot! Arrête! Frère, tu veux pas que je conduise? Non. Mais t'as combien de personnalités en une? Non, mais attends, tu t'assois là, j'ai. Non, mais attends, le breton! Il faut qu'on arrive à se recentrer sur le thème de la vidéo. Oui. La voiture. La voiture. Bah écoute. La voiture. Très bien. Est-ce que tu sais, très maniable. Virage. Parfait. Ligne droite. Ça a la santé, ça m'est vraiment. Attention, ouais, frérot. Bien sûr, le J, regarde. Tout est prévu. Frère, t'es un ouf. J'adore. Bonjour madame. Bonsoir. Tu te rends compte que t'es un mec d'1m95 qui fait 110 kg déguisé en Batman dans une M3 Touring plaquée allemande? Bah ouais, je me rends compte que des fois bon. Mais elle est super. Peut-être... Pour revenir à la voiture. Eh, hey, Georges, s'il te plaît, je te demande un peu de concentration, on revient à l'essentiel. Vas-y, on va à droite. Je trouve que la motorisation. D'après toi, ça a combien de chevaux? 600. 700. Tu vois? Non, 510. 510, putain. Comme quoi, elle est nerveuse. Ouais, tu vois, c'est un 6 cylindres. Donc c'est un 6 cylindres biturbo, c'est un moteur BMW qui est exceptionnel. 510 chevaux, et quand tu prépares ce moteur, c'est un moteur qui peut monter jusqu'à 900 chevaux. Tu changes de turbo, c'est une très bonne base pour préparer la voiture, tu vois. Et le côté break, le côté siège carbone, familial, comme ça. Familial, mais t'as vu la gueule des sièges? Ouais. On dirait pas les sièges d'un break normalement. Hein. Franchement, elle est vraiment bien. Et puis je vais te dire un truc, la manière de tourner et tout, c'est hyper simple. Ouais, elle a un très bon châssis. Il y a un très bon châssis, c'est un formidable type pour attraper de la nicheto. Hein. Ouais. Ah bah ça, le J, tu dois te régaler. Hein. Ouais. Bah évidemment, quand t'arrives à Monaco, tu fais des dérapages dans les côtes avec ta sacoche de beauf. Ça fait son effet, hein, mon salaud, avec tes becs et tes gros bras, là. T'en as ramassé de la morue, hein. Bâtard, là. Arrête. Eh, gros, t'es un ouf. Frérot, t'es trop excité, faut que tu te calmes, gros. Non, là, faut vraiment que tu te calmes, frérot. J'ai envie de conduire moi, là, ça y est, je vais dégueuler, frère. Ouais. Ah ouais. Là, je fais encore un petit tour, hein. Je fais encore des petits trucs. Et un campeur. Là, je peux me faire une petite ligne droite. Vas-y, si tu veux. Là, tu m'autorises. Vas-y. Attends, ce qu'il y a des cyclistes. Regarde-le, ce mongol. Ça, c'est un mongol. Espèce de neuneu, va là. Oh, t'as vu comment tu tiens le volant? C'est bon. Stop. Frérot, t'es un ouf. Hey, t'es un ouf, frère. Ah, j'adore, mais ça a la santé, attention. Hein. Ouais, ça a la santé. Ah, là, la réactive. Stop. Dans l'espace, les cyclistes. Ah, ceux qui t'ont pas dit bonjour tout à l'heure. Ah, c'est, attends, je vais leur redire bonjour. Je vous en prie. Bah, allez-y. Il te remercie. Et bonne journée, connard. Non, arrête. Ça fait trois fois que je lui dis pas bonjour le matin. Arrête. Ah, ouais, non, frère. T'es un malade, gros. Eh, frère, t'es un mec qui est pas stable psychologiquement. Non, je te jure, Zéry, t'as envie de pleurer, là. J'adore ça. J'adore ça, putain. Eh, c'est un fou, ce gars. Mais tu sais que, frérot, avant que je passe le GP avec toi, il y a plein de gens qui étaient pas sereins parce qu'on était en direct. Et le direct avec toi, c'est... t'as une réputation dans le direct. Ouais. C'est très dangereux, très risqué. Ouais, mais j'ai vu que moi, j'avais pas compris le principe. Ouais, quand t'es venu, en fait... Je croyais qu'on était en direct, enfin, avec toi et moi, et que t'allais monter après. Ouais. Mais j'avais pas compris qu'on était en live avec tout le monde. Ouais, on était en live. Et ça aurait fait très dangereux. Ouais. Parce que j'ai un humour que personne. Enfin, il y a des gens qui peuvent pas comprendre. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, il y a des gens qui comprennent pas et forcément. Du coup, ça porte à confusion, puis ça aurait été dommage qu'on prenne une sauce un peu dégueulasse, quoi. Ouais, voilà. Après, je t'aurais laissé dans ta sauce. Ah, bah, j'ai bien compris, de toute façon. Hein. On peut aller ici, bonne idée. Oui, sur le parking, tu vois. On va présenter la voiture ici. Ah, t'as vu, ça, ça déménage, mon J, hein. Oh putain, j'allais te vomir, ça y est. Je t'avais dit, j'allais te massacrer aujourd'hui. Tu sais que t'es quand même très inquiétant comme personne, le breton. T'as déchiré ton fut. Arrête. T'as déchiré ton ben. Je te jure, gros. Mais non, mais c'est quoi ce bordel, frère?
déchirer le Batman. Ah ouais, attends, enlève ta main. Ah gros, on voit ton cul carrément. Ah si si. Mais ça, c'est pas un uniforme que t'avais volé à un mec, tu lui avais loué, tu lui as jamais ramené? Le marchand de costumes. Comment il s'appelait? Je sais plus. Tu l'as pris et tu l'as jamais ramené? Bah non, mais bon, il s'en servait que pour faire la location, moi je m'en sers quand même pour autre chose, hein. Ouais, toi c'est pour ta mission dans Gotham, quoi. C'est pour ma mission dans Gotham, et puis c'est pour aider la population française. Ouais. Donc je pense, entre louer un costume et puis aider les gens... Hey, tu m'as fait rire, frère. T'es un ouf, gros. Je te jure, t'es un psychopathe, le Breton. Bon, le Breton, plus sérieusement, viens, on se centre un peu sur la voiture. Alors, c'est une BMW M3 Touring. Ouais. Pourquoi Touring? Touring... C'est un break. C'est un break, Touring. Un break de chasse. Touring. Touring, regarde. Est-ce que tu vois cette partie-là, là? Est-ce que tu la trouves aberrante? À partir d'ici, là. À partir de la porte arrière. Je trouve ça très... très esthétique. T'aimes bien? Ouais. T'es les jantes un peu en... Bon, c'est un peu travaillé, quoi. Un peu, ouais. J'aime bien l'arrière. T'aimes bien l'arrière? Le coffre s'ouvre. Oh putain, le coffre est énorme, hein. Le coffre est énorme. Ouais, le coffre pourrait te contenir, je pense. Coffre automatique. Ensuite, le toit, très sympa. Ouais. Confortable ou pas? Très confortable. Ouais. Et ça absorbe les rayons du soleil. Ouais. Je crois que c'est ça le but, non? Ouais, ouais. Rétroviseur travaillé aussi. Carbone. Carbone. Et le clou du spectacle, enfin moi ce que je trouve vraiment phénoménal. La face avant. La cage thoracique. C'est vrai que la calandre est très belle. Est-ce que t'aimes les deux grosses ouvertures comme ça? Tu trouves ça beau? Ce que j'aime pas, c'est la plaque des cheveux. Je peux pas les blairer, moi, les cheveux. Ah ouais? Ah bah ouais. C'est une voiture qui appartient à BMW France. Oui, oui. Voilà. Bah ouais, ce serait bien de mettre la plaque française plutôt que les cheveux. Ouais, ouais, bon, écoute. Ici, le carbone, les deux fentes en carbone, est-ce que tu aimes bien ou pas? J'aime les fentes, oui. En carbone? En carbone. Ou plutôt en muqueuse? Non, en carbone, le Jeep. Carbone, ok. Et la forme, regarde, alors par contre, devant, blague à part le Jeep. Là, de face, ça fait vraiment pâte mobile. Ouais. La toute première, regarde. Ouais, ouais, bah. Regarde. Avec ça sur le capot, là. Ouais, je te jure, ça, là. Ouais. Très agressif. Après, c'est un véhicule qui est catalogué un peu Caïra, quand même. Ouais, ça fait un peu Caïra, mais c'est une très bonne voiture. C'est pour ça que les Caïra l'aiment, c'est efficace. Oui. Les jantes, donc tu as dit que tu aimais bien. Et quand tu as conduit, là, qu'est-ce que tu as pensé du freinage? Est-ce que les freins en céramique, tu les as trouvés puissants ou pas? Ouais. Ça freine bien. Ce qui m'a choqué, c'est l'accélération. Ouais, l'accélération, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un truc genre, ça te scotche. Ça te catapulte. Ça te catapulte. Alors, tu sais pourquoi? Je te montre pourquoi. Premièrement, on a ce qui se trouve là-dedans. Attends, on va ouvrir. Le moteur, 6 cylindres, 510 chevaux, couplé à un système X-Drive 4 roues motrices que tu peux déconnecter et passer en propulsion. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Gros, t'es énorme. C'est bon? C'est bon, tu kiffes? T'as laissé tous tes ustensiles par terre, là. Hein? T'as laissé tous tes ustensiles par terre, le Breton. Eh, frérot. Il est horrible, ce type. Qu'est-ce que tu fais, frère? Non mais regardez-moi cette scène de guerre, quoi. T'arriveras pas à monter, le Breton? Ouais, je crois que j'ai perdu toute ma superbe. Tu sais qu'à une époque, je grimpais dans les arbres et tout, hein. Ah ouais? Ah ouais. Voilà, c'est devenu bon. Tu peux ramasser tes ustensiles, s'il te plaît, qu'on puisse partir et que je puisse conduire? Ça ne te dérange pas? Tu veux essayer le masque? Non. Je suis sûr que ça fait un non, truc. Non. Essaye le masque. Non. Essaye. Non, t'as bavé partout dedans, frérot. Ah. Il y a la Covid, il y a tout, là. Et attends, très important. Allogie. 4 sorties d'échappement. Est-ce que tu aimes? Ça, j'adore. Tu voudrais faire 4 trous ou 2? Non, moi j'aime bien 4 comme ça, là. Pas mal. Stylé quand même, non? Ouais, elle a une vraie gueule, la voiture. Hein. Ouais. Franchement, t'es père de famille, t'as un bon budget, tu veux un truc qui arrache, c'est ça que tu prends ou tu prends autre chose? Ah, c'est bien ça. Tu kiffes, toi? Avec les gens qui passent et tout ça. Ouf. Le frangin, il a bugué, frérot. Non, là, t'as honte. Là, t'as honte un peu, non? J'enlève tout, non, je peux pas. Je peux rester comme ça, le G. Enlève. Qu'est-ce qui t'arrive, le Breton? Hey gros, t'es un ouf. Hey, attends. Hey, regarde comme il monte son fut, c'est un fou, ce mec. Vas-y. Bonjour. Hey gros, t'es un malade mental. Non mais attends, mais là, t'es dans quel personnage de Breton, là?
le pantalon monté comme ça, c'est comment? Gros, t'as l'air hyper agressif là, frère. T'es immense. Ça suffit, t'es un ouf. Oh putain, t'es un psychopathe, gros. Mais là, t'es dans quel genre d'humeur aujourd'hui, le Breton? Il y a un gamin derrière qui me regarde. Ouais, ouais, c'est pas étonnant, frère. Bah non, ça fait peur. T'as changé d'avenir. J'ai plus de cardiologie. Ah, j'ai envie d'en découdre. Avec cette mécanique de l'enfer. Hein. C'est la première fois que j'en vois en enfer un mec torse nu quand même, frère. Bah écoute, il faut le premier atout, hein. C'est pas dangereux aussi. Non, je pense que c'est pas dangereux, mais c'est juste... Moi je me crois un peu en été en Californie là. Et en plus, je tiens à dire qu'il m'a pris mes lunettes. Ouais. Ouais, ça a la santé. Hein. Ah, ça a la santé. Ouais. T'aimes bien? J'adore. Alors t'es dans quel état d'esprit? Bah écoute, tu m'as ramené dans une forêt immonde, je suis torse nu, j'ai l'impression que... Il y a un truc qui se dessine un petit peu à l'horizon là, non? Hein, le J? J'ai l'impression que tu vas me raconter une histoire, j'ai pas aimé la suite. Hein. Ah putain, j'en veux plus, je vous jure, ça ouf. Comme il a décrit le truc. Ah bah là, il me dit, on va faire une vidéo, je lui dis où ça? Il me dit dans une forêt, je dis ah bon? Non mais j'arrive pas à croire. Un mec torse nu à côté de moi, dans une M3 Touring, gros. Ah bah c'est l'originalité du truc, hein. Apparemment c'est glauque ici, hein. Non mais la gueule des gens, quand ils réalisent... Non mais là c'est glauque quand même. Ah ouais, non, c'est incroyable. Ils payent encore en francs ici, non? Non, t'as fait ça. Moi j'adore les petits villages comme ça, mais là c'est un peu glauque quand même. Hein. Qu'est-ce que tu penses de la voiture, le Breton? Bah écoute, les sièges sont confortables. Ouais. Attends, quitte-moi, je sais pas qui c'est ça. Allô? Allô? Bonjour, oui. Ça, faut que je vous laisse. Vous voyez le personnage, ça. Oui. Mais faut arrêter de m'appeler, vous me cassez les couilles, hein. Ça mais c'est les trucs, tu sais, les trucs de concours, hein. C'est même pour un pigeon. Hein. T'as jambé le t-shirt, non? Comme tu veux, hein. Comme t'es à l'aise, Breton. Bah ouais. Tu te sens un peu dé... Yeah, come on, baba! Yeah! Ouais, baba! Ah, puis t'es dans une optique très agressive. Je vais te rouler. Yeah, je te retard! C'est les mecs qui t'ont appelé, ça t'a perturbé un peu. Le producteur cocaïnoman. T'es énorme. Oh, t'emballe pas, lui. Bon, hormis ça, qu'est-ce ouais. que tu penses du coup de la M3? Franchement, elle a la santé, hein. Ouais. Elle a la santé, belle voiture de bicraveur. Ouais, de ouf. Mais non, c'est une belle voiture, hein. Oh putain, le chien. Ça watt, hein. Ah bah ça en voit, hein. Oh putain, en plus j'ai mangé un couscous, j'ai la gerbe. On est à 100 lises. À 100 lises. Vas-y, on voit le J. D'ailleurs, tu sais, oui, Georges. Cette voiture, ce qui est drôle, c'est que c'est un break. Et oui. Qu'un break qui a autant la santé, c'est quand même rare, à part la RS6, tu vois. Ouais, non, mais elle est vraiment bien, celle-là, c'est vraiment grave. La RS6, tu connais, je suppose? Oui, bah oui. Tu préfères RS6 ou plutôt une M3 Touring? M3, ça. Ah, tu préfères ça à la RS6? Ouais. C'est plus nerveux, je trouve. Ouais. Oh, putain, l'enculé. Attention, le J. Hyper excitant comme voiture. Ouais, c'est vrai. Ce qui est mieux, c'est qu'on est en campagne avec des chevaux. La dernière fois, tu m'as emmené au bois de Boulogne avec des travelots portoricains, avec ouais. des tubs niveau rotule. Bah ouais. Il y a quand même plus charmant, hein, je te le dis. Hein. Du coup, comment t'as vécu cette... Mal. Mal? Être habillé en Batman, en position? À genoux, devant un pot d'échappement. J'ai connu plus glorieux quand même dans ma vie. Hein. C'est vrai, c'est vrai. T'as connu. Est-ce que tu es bien assis dans ces sièges, Breton? Bah alors, les sièges, c'est le seul défaut de la bagnole, je crois. Tu trouves? Alors, elle est aussi disponible dans des sièges confort. Hein. Ah ouais, parce que là, enfin, je sais pas, là, déjà, il y a une coquille au milieu. Ouais. C'est très inconfortable, surtout ouais. pour moi qui est un iguane qui demande qu'à respirer. Hey, la famille, je suis désolé, hein, mais cette vidéo avec le Breton, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, on a fait une première vidéo avec le RSQ8, tu te tenais... Déjà, t'as un regard pas sain, frère. Dans ton regard, on voit qu'il y a un truc pas net. Après, on a fait une vidéo avec la Porsche, mais il était en plein entraînement, il était pas bien. Ah non, c'est que j'étais au plus mal. Ouais. Et là, par contre, il est en forme olympique. Ouais, je suis en forme olympique. Mais déjà, au GP, les gens ont adoré notre duo. Hein. Ah, là, c'est vrai que c'était super, la sensation de la bagnole, c'était super. Ouais. Maintenant, c'est à mon tour de t'envoyer en enfer, le Breton. Ah bon? Bah c'est ce que tu fais depuis le départ. Hein. Non? On n'a pas commencé la vidéo? Non. Donc là tu me lâches. Là, ce qui est bien avec une Touring, c'est que. Oh là là, quel connard. Tu es en propulsion, ça glisse. Ouais. Tu, bah ouais, ça glisse. Tu peux passer en mode propulsion. Et quand la route est un peu humide, tu peux te faire plaisir, le Breton, tu comprends? Ok, oui. Donc là, nous sommes dans un village, donc nous respectons le code de la route. Ah oui. Nous partageons la route avec les autres usagers. Nous sommes ceinturés, pas de conduite addictive, pas d'alcool ni drogue au volant. Jamais. Voilà, donc nous sommes en état de conduire un véhicule.
très 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 important, les amis. Très important. Bah, très important. Deuxième chose très importante, ne jamais confier le volant de votre véhicule à Ragnar le Breton lorsqu'il est en Batman. Bah, c'est vrai qu'en Batman, je me réveille être un peu plus dark. Voilà. Conduite extrêmement nocive, extrêmement effrayante. Il y avait la colline, on aurait pu faire un truc dans la colline, non? Non, non, on peut pas marcher sur le gazon, le Breton. Ah les, bon les mairies ont des budgets colossaux pour le maintien des espaces verts, pas pour qu'il y ait un sale connard qui vienne tout ravager. Voilà. Ah, c'est pas faux. Oh là là. C'est ça l'avantage, Breton. X-Drive, 4 roues motrices que tu peux passer en propulsion. Donc ça quand la route devient un peu humide comme ça... Allez, vas-y. Oui, le J. Ça va santé, le Breton, n'est-ce pas? Ça va santé, le Breton. Eh. Mais lorsque les roues arrière patinent, ah oui, va pas très vite. C'est vrai. Et on peut noter aussi la magnifique verdure de l'endroit où on est. Exactement. C'est ça. Oh, putain. Là, tu vois, c'est... L'avantage avec un véhicule. Oh là, le virage. C'est que c'est 4 roues motrices du coup. Attention, Renault Capture. Non, il n'y a pas de Renault Capture. Ah si, c'est gaz et capture. Il n'y a pas de véhicule devant nous, le Breton. Ah bon? Non. Ah bon? Non, non, pas du tout. Avec ce genre de véhicule, c'est que tu peux réellement te faire plaisir, tu comprends? Ah bah, je commence à comprendre, ouais. Par contre, la forêt est incroyablement belle. Hein. Ah, c'est très beau par ici. C'est important de se rendre compte de la chance qu'on a en France. Exactement. On a un pays formidable, que ce soit de paysage, de culture, de. C'est vrai, hein. Non, c'est vrai. Tu peux passer à la montagne, à la mer, tu peux aller dans les villages, t'as des grandes villes. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Il y a une histoire de France. Et t'as pas, par exemple, pour Dubaï, c'est pas pour critiquer, mais t'as aucune histoire. Dubaï, c'est les 30 dernières années où ça a été. Ah bah, Dubaï, non, il n'y a pas d'histoire, non. Voilà. En France, t'as vraiment une histoire qui est incroyable et t'as des paysages comme ça qui sont magnifiques. Ouais. Tu vois. Mais Dubaï, après, c'est joli, hein. Ouais. Je trouve que c'est pas le. C'est pas l'Eldorado. On va avoir des bimbos siliconés avec des nibards, on dirait des boules de bowling. T'aimes pas? Avec des bouches prêtes à recevoir. C'est pas ta gamme. Bah non, j'aime pas ça. Non. Moi j'aime la simplicité, le J. Ouais. Toi t'es plutôt classe, le J. J'essaye, le Breton. Je suis pas quelqu'un qui est beau, tu vois, genre. Ah bah non, c'est pas ce qui te définit le mieux, ouais. Voilà, c'est vrai que je suis. Je vais devoir payer tout de suite. Nous allons faire un launch control pour fêter ça. Ah non, c'est bon. On va faire un launch control. Attention. Alors pour faire un launch control, il y a une procédure, le Breton. Oui. Okay. Launch control, c'est ce que tu m'avais fait une fois dans les bois de Boulogne. Voilà, launch control, c'est ce que je t'ai fait une fois dans le bois de Boulogne. La procédure pour faire launch control, c'est de mettre le DSC off. Oui. Je précise qu'il n'y a personne derrière nous. Non, personne devant non plus. Par le con, putain! Oh putain, l'enculé! Enculé de J, frère! Ah, oh, l'enculé de J! Ah, sale bâtard! Là. Test de freinage, le Breton! Oh, l'enculé! Là. Est-ce que tu as déjà fait les tests de freinage, mon ami? Putain, c'est le Breton! Allez, vas-y, J! Vas-y! T'as déjà fait le Breton ou pas? Ah, je vais gerber, bâtard! Ah, j'ai envie de Gébert. Ah, j'ai envie de Bégère. Oh, l'enculé. De Gébert. Ah, j'ai envie de vomir. T'as envie de berger ou de gerber? Ah, j'ai envie de vomir. Ah ouais? Ah, je te jure, j'ai envie de vomir. Mais tu penses quoi du freinage, du coup, du véhicule? Ah, j'ai envie de vomir. Toi qui as fait du circuit avec moi. Non, reste, stop, je vais gerber le G. Attention, le G. Ah, stop, frère, on peut plus, je vais gerber. Ça freine bien ou pas, le Breton? Ah, tu es enculé. Non, parce que tout à l'heure, en Batman, tu m'as bien cassé les couilles. Ah, c'est trop là. On repart dans les 17 tournants? Non, on rentre à la maison là. On rentre à la maison? Non, on rentre à la maison là. Ah ouais, tu cadres même plus là. C'est ah non, mais c'est fini, là. J'en peux plus là. T'es un malade. Bah, écoute... Non, mais les freinages et l'accélération, c'est de la torture. Mais non, mais on voulait tester le freinage. Non, mais je veux plus tester rien du tout moi. Tu veux plus tester le non, freinage? Non, je veux rentrer. Tu veux rentrer, le Breton? Oh, le J. Bah, arrête! Ah! Arrête, puis nique sa mère! Hey, le J! Hey! Tu filmes même plus. Fais un abandon de poste pas croyable, frérot. Ça arrête, non? Hein? Ça arrête, faut gérer. Sérieux? Ouais. Tu veux vomir? Ouais. Mais non. Bah si, connard, ça fait une heure que tu fais l'accélération que tu freines. Tu veux vraiment vomir? Ah ouais, je suis pas bien, là. Mais tu rigoles, frère. Non, je rigole pas, non. Je suis fragile. Une fois, on avait fait le truc avec McFly, j'étais malade pendant 3 jours. Mais non. Si, c'est grave, toi. L'emménage avec con, là. Je suis pas bien. Mais fais ton édite, bâtard. Sérieux? Mais tu vas où, là? Qu'est-ce qu'il a? Arrête, frère. Genre. Non, c'est pas vrai. Mais t'es sérieux? T'es sérieux ou pas? Arrête, frère.
C'est un fou. Frère, je suis sûr que c'est pas vrai. Mais frérot, oh, t'es un ouf, frère. C'est bloqué, ça va venir. Non mais arrête, arrête, frérot. Je te jure. T'es vraiment malade? Mais c'est horrible. Ah putain, c'est vrai. Arrête, arrête, frérot. Tu vomis vraiment? Bah oui, je vomis vraiment, oui. Mais je pensais pas que t'étais fragile comme ça, le breton. Ah, t'es une belle merde. Je t'avais dit d'arrêter les à-coups. Mais t'as vu ce que tu m'as fait subir, frérot? Tu vas réveiller la vengeance du chevalier noir. Là, c'est très dur, frérot. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah putain. Qu'est-ce qu'il y a, le breton? Ouais, je suis pas bien. Ça tourne. Mais t'as vomi? Non, j'ai pas réussi. Ah, ça tourne. Bon, je te laisse te reposer un peu. Bon les amis, le breton était pas très bien. On va donner une cadence maintenant plus sérieuse à cette vidéo parce que là c'était un peu n'importe quoi. Ah, ouais, ouais. Hein? Oui. Le breton, honnêtement, qu'est-ce que tu penses de la voiture? Non bah écoute, elle est super. Elle est super, elle est très violente dans les accélérations. Ouais, ça accélère bien. Hein. On dirait qu'elle a beaucoup plus que 510 chevaux cette voiture. Ouais, elle en voit grave. Après moi je te dis, le seul truc qui me je suis pas très à l'aise, c'est les sièges. Les sièges, c'est vrai que pour des gens costauds comme nous... Ça fait trop voiture de course. Ouais, ça va être très voiture de course, surtout dans un break comme ça. Après, moi, c'est ça que j'aime bien dans cette voiture, c'est l'esprit vraiment le siège de course dans un break. Ouais, ouais. Tu vois, c'est vraiment une voiture qui est un peu bâtarde, entre guillemets. Ouais. Elle est entre deux, et c'est ça que j'aime bien, moi. Non, moi, je la trouve belle. Après, c'est pas une voiture que j'achèterais, moi, personnellement. Ah, c'est pas une voiture que t'achèterais personnellement? Non, trop tape à l'œil, trop... Ouais, ça, c'est sûr, mais après, c'est beau. Ah bah oui, c'est beau, oui. C'est performant. Le freinage, tu viens d'en faire les frais. Je viens d'en faire les frais, ouais. Freinage céramique, énervé ou pas? Oui, très énervé. Ouais. Freinage céramique, chez BM, ils rigolent pas, frérot. Ah ouais, c'est... Voilà, plus... c'est un arrêt net. Hein. Ouais, c'est un arrêt net. T'as les gros étriers dorés. Ouais, c'est violent. Tu vois, c'est violentissime. Ça m'a tourné le bide, hein. Ouais. Vraiment. Ouais, non, c'est violent. C'est violent. Violent. Ça, quand t'as freiné d'un coup, là, oh là là. Alors, c'est vrai que nous, au GP Explorer, on n'a pas fait la M3. La M3, j'avais faite à Equinox. Toi et moi, on a fait la C63 Black Series. C'était bien. Ouais, c'était bien. Mais la C63 Black Series est plus impressionnante en termes de bruit, etc. Mais en accélération, ça, c'est quand même bien. Ah bah, j'en ai fait les frais, oui, oui. Et tu vois, l'avantage, c'est quand tu veux conduire tranquille, comme je suis en train de faire là, tu peux conduire tout à fait tranquillement. Et t'es à bord d'un break familial. Oui, t'as oui, l'impression d'avoir un petit moteur essence que tu peux conduire normalement. Je suis choqué par les paysages, c'est magnifique. Il y a des chevaux, des vaches. Il y a des ragnards, c'est incroyable. Ouais. Regarde là, il y a des vaches. Ouais. On dirait moi celle-là. Ouais. Ah ben oh non. Ah ben oh. Tu arrives, tiens. Évitation de merde. Ah putain, tu m'as tourné le bide, bâtard. Ouais, t'es KO là. Ah la vache, surtout avec les virages et tout, là, c'est trop. Tu m'as enculé. Là. Bah non, quand même pas. Ah si, bah non. Ouais. Non, non, on est pas arrivé là encore en termes d'intimité, ouais. Mais je vous jure, la famille des vidéos avec Ragnar, j'adore. On en a fait que deux. C'est que la troisième, mais je pense que celle-là, c'est la mieux. Franchement, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez que celle-là, c'est la mieux ou pas? Parce que c'est un vrai personnage atypique. Genre frérot, des gars comme toi, moi j'en connais pas. Ouais. C'est même dans la vie civile. En fait, ce gars-là, même quand vous êtes pas en vidéo, c'est un vrai personnage, tu vois. Genre, c'est bluffant. Ah non, je te jure, gros, t'es un psychopathe, frérot. Mais tu t'es vu, toi, espèce de bûcheron immonde. Bah, je te fais des compliments, ah, oui, oui. Comment ouais, c'est vrai. Dis-moi ce que tu penses de moi, vas-y, le breton. T'as bon cœur, le G. Ouais. Ouais. T'as bon cœur, t'es sincère dans les relations humaines. Ouais. C'est bien. Ouais. T'es simple. Je trouve. Ouais, t'es simple. Ouais. Malgré que tu sois dans les trucs de luxe tout le temps, etc. Mais t'es simple. T'as pas envie de rabaisser les gens. Ah non. T'es toujours en train d'encourager, c'est cool, tu vois. Et même comment je te vois, tu te comportes avec les gens, c'est beau à voir, c'est sympa. Même toi, bah ça on est pareil. Hein. De toute façon, tu sais, je pense qu'on pourrait pas. Attends, moi j'ai pas fini. Je passe sur les défauts maintenant. Après les défauts, je pense que t'es un pervers excessif. Un immonde pervers. Ah bon, mais à quel niveau? Dans tout. C'est-à-dire dans tout? Qu'on parle des moquettes. Des moquettes? Je peux pas y aller là-dessus. En plus les sièges c'est un enfer, c'est vraiment de la merde. J'ai les lombaires en compote mon pote. Alors t'as le choix, ça c'est une option payante, t'as une option gratuite avec des sièges confort qui sont très confortables. Ah bah là j'ai l'impression que c'est les trucs où tu joues à la PlayStation dans les bureaux là, tu vois. Ouais, ouais. Oh, là tu m'as fait très mal. Tu m'as fait très mal parce que je m'y attendais pas psychologiquement, tu m'as surpris. Non, freinage. Ah, tu m'as surpris, frérot. Bon, les amis, le breton est dans un état qui est piteux. Ça va mieux. Ça va mieux, il s'est remis. En tout cas, on tenait à vous remercier solennellement d'avoir regardé notre vidéo en collaboration avec Ragnar le Breton et GMK, la grande gigue. La grande gigue, le grand J. Le grand J à la mâchoire complètement difforme. J'ai le hockey, j'en peux plus. Cette vidéo m'a mis à bout, moi aussi. C'était très bien. Au niveau digestif, c'est très compliqué. Je pense que je vais me. Oh putain, j'ai le hockey, c'est une horreur. Bon, ouais. La famille, n'oubliez pas. Tant que tu fais pas ça avec ton cul. Hein.
putain, j'en perds, ok, j'en veux plus le breton, je te supporte. Faut qu'on coupe cette vidéo, c'est terminé. La famille, merci à vous d'avoir regardé, prenez soin de vous. Et merci aussi pour tous les bons retours que vous faites, toute la gentillesse que vous avez. Exactement. Et je le dis sincèrement, vous êtes la meilleure communauté d'Instagram. C'est vrai. Là on est sur YouTube. Ah pardon, oui. Ah ouais, vous êtes très cool, toujours dans les commentaires, dans les vidéos, vous êtes super gentils. Les gens sont gentils, ils sont adorables. Vous êtes bienveillants, vous êtes. Il n'y a pas de haine, donc c'est cool. C'est cool de faire des contenus qui sont reçus comme ça. La famille, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ragnar. Dans le cul de la mexicaine. Et la poigne comme ça, la mexicaine, écoute, pardon, je te parle, je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fermer ta gueule, t'as quand même pas fermé ta gueule, là. Et je la pointe, puis je l'encule.